L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Les lectures de ce cinquième dimanche de Carême année C sont lues par Paulette Modinou, Sœur de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume Doucevi, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentée par Habib Akpata, père de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert,
des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme les ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? « Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la nourriture donnée aux foules et le discours qui a suivi dans les passages précédents, celui qui donne sa propre chair comme un pain qui fait vivre se révèle aussi comme celui qui pardonne et qui dévoile l'insondable mystère de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus est interrompu dans son enseignement par les scribes et les pharisiens qui lui présentent un cas. Une femme surprise en adultère. Dans une situation pareille, la loi exige la condamnation à mort par lapidation de la femme et de l'homme. Cependant, nous voyons dans l'évangile que c'est seulement la femme qui est présentée à Jésus. Mais pour ce genre de délit, il faut être deux. Où donc est le partenaire coupable? Quelque chose fait déjà défaut dans l'accusation. Si Jésus approuvait la condamnation à mort de cette femme, il démentirait son ministère de miséricorde et se mettrait publiquement en violation du droit romain qui limitait la peine de mort à la discrétion de l'occupant romain. S'il suggérait que la femme soit épargnée, il irait à l'encontre de la loi juive et semblerait contredire Moïse qui était pour les juifs le législateur le plus respecté et le plus vénéré. Jésus va au-delà des exigences de la loi. Il n'accuse pas la femme. En séparant le pécheur du péché, il nous invite aussi à opter pour la correction fraternelle constructive qui protège l'estime et la dignité du coupable.
Jésus ne nie pas le mal qui est fait. Il ne nie pas notre mal. Il nous en libère car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nos paroles font-elles vivre? Nous sommes invités à nous interroger sur la qualité de nos propos. Condamnent-ils facilement ou au contraire sont-ils sensibles à ce qui peut relever l'autre? Les paroles de Christ font vivre, relèvent et sauvent. Jésus redonne un avenir à cette femme condamnée par son entourage. Et il redonne aussi un avenir à ceux qui l'ont condamné et se sont esquivés sur la pointe des pieds. Dieu regarde avec amour chacun et chacune de nous et nous tend toujours la main. Nous pouvons malgré nos fautes regarder en avant. À chacun de nous, Jésus dit, comme à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va. » Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.